Départ imminent. Départ validé donc pour cette première épreuve XSJ13SS. Bourbonnaise, alors pour ses petits temps, pas du camp. Bon, après un très bon départ avec une certaine Pandora qui a pris l'avantage dans le premier tournant, mais on a viré au plus court côté corde avec Orienton Martina qui lui conteste cet avantage. On vient en troisième position avec Orienton Prudence juste devant Diablotin Dupris qui est en quatrième position et qui vient librement également. Alors qu'on retrouve Gordon qui est à l'arrière car une certaine cité à la championne est en avant-dernière position. C'est Wedding Bells qui ferme la marche du peloton. Les contre-chances sont au bout de la ligne d'en face et pas de changement notable en tête, c'est-à-dire Orielton Martina qui a toujours un très léger avantage côté corde avec une certaine Pandora qui vient sur l'extérieur juste devant Diablotin de Brie qui n'est pas loin et qui va tenter de venir l'attaquer. Les concurrents sont dans la phase finale maintenant de cette épreuve et la lutte fait rage maintenant. Il reste un tour. Ne vous inquiétez pas, il y a encore un tour. On est à l'arrière-garde avec Gordon qui ferme la marche des pelotons. Les concurrents sont dans le tournoi final avec Orienton Wedding Bells qui va tenter de repartir de plus belle, mais on l'a bien filé dans son main maintenant avec une certaine Gida qui va tenter de venir décaler à moins de 200 mètres du disque final. Orienton Wedding Bells qui repart de plus belle, une certaine Gida qui s'annonce bien à l'intérieur de la main du poteau. Et une certaine Gida est venue régler sur le.